Est-ce qu'on est en live? Tu me confirmes qu'on est en live? On est en live et je suis net. La vie est belle. Bonjour à tous et bienvenue sur cet énième live Digitphoto. Je ne les compte plus et c'est à chaque fois un plaisir. Aujourd'hui, on va parler ensemble de cet appareil que j'ai dans les mains qui est le Pentax K3 Mark III. Tout nouveau boîtier qui est sorti de chez Pentax. Et on va en parler ensemble pendant approximativement une heure. J'ai pu l'essayer. J'ai pu me balader avec. Alors c'était compliqué avec ces couvre-feux, ces confinements. J'aurais voulu faire plus, mais on a fait quand même des jolies choses. Et on va en parler en détail. Ce live tombe bien parce que je commençais à dire aux équipes de Digi, tout ça, que je trouve ça assez compliqué finalement de présenter des boîtiers. Parce que on arrive dans une ère, je trouve, où on peut faire des belles photos avec quasiment tous les boîtiers, j'ai l'impression. Donc c'est très compliqué finalement de présenter un boîtier en particulier. Et donc ça me pousse à aller chercher les spécificités de chaque boîtier. Et finalement, à force de présenter des choses chez Digit, j'apprends, je me remets en question et puis je me dis quel axe aborder pour tel type de produit. Et finalement, c'est devenu comme un jeu pour moi d'essayer de comprendre la philosophie d'une marque par rapport à un boîtier et ça me pousse finalement à aller plus dans les menus, plus dans les détails. C'est vrai que moi je suis le genre de mec qui finalement pourrait shooter toute sa vie en mode priorité ouverture au manuel en gérant les ISO, la vitesse et puis l'ouverture parce que c'est comme ça que marche globalement un appareil photo. Mais on peut aller plus loin de nos jours dans les boîtiers, on peut faire beaucoup de choses et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui avec ce boîtier. Je vous fais un tour d'horizon de ce qu'on va faire aujourd'hui. Pentax K3 Mark III, boîtier APS-C avec un capteur Sony de 26 millions de pixels qui globalement s'inscrit totalement dans la gamme Pentax avec tout ce que la marque a l'habitude de proposer avec des améliorations, avec quelques nouveautés qu'on va détailler très précisément. Alors déjà, c'est vrai qu'on pourrait se dire un APS-C Reflex qui sort en 2021. J'ai l'impression que Pentax a envie d'écouter des gens qui n'ont pas envie, par exemple, de passer au full hybride, des gens qui ont envie de profiter d'un parc de matériel qu'ils ont peut-être déjà ou qui voudraient profiter d'une nouvelle marque, mais avec un parc existant colossal. Il y a des choses, du coup, qui vont en ce sens. Par exemple, la monture ne change pas. Donc, on a tout le parc objectif Pentax qui est compatible avec cet appareil. On a les batteries qui ne changent pas. Donc du coup, c'est vraiment une mise à jour dans une continuité d'une gamme qui s'inscrit du coup dans cette, je pense, encore une fois, je me projette parce que j'ai pas discuté avec les ingénieurs de chez Pentax. J'ai discuté avec des gens très sympas, Yazid, Anthony, si vous me regardez. Mais donc je me projette un peu, mais je pense que
Pentax, quelque part, veut dire on peut encore faire de très belles choses avec un réflexe, avec un APS-C de nos jours, et on va voir ça ensemble. Donc du coup, on va parler, j'ai mes petites notes en dessous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va parler globalement de ce qui fait cet appareil, la première chose étant le viseur. On va en parler longuement parce que le viseur, c'est quelque chose. Ce qui est dommage, c'est que c'est la seule chose que je ne pourrais pas vous montrer en direct, parce que mettre l'œil dans le viseur, bah, c'est quelque chose qu'on fait dans la vraie vie et qui est très personnel. Mais le viseur, il y a beaucoup de choses à dire dessus, des petites surprises qui se passent. On va parler de l'ergonomie de ce boîtier qui est très très fourni. Il y a énormément de boutons sur ce boîtier, et au début, ça peut faire peur. Je l'ai pris en main et je vous avoue que je ne savais pas où appuyer. Mais je crois qu'il se cache une vraie philosophie derrière tout ça, qu'on va essayer de regarder ensemble. On va parler évidemment de Pentax, on le sait depuis toujours, c'est la tropicalisation, c'est le côté baroudeur, on va en parler aussi. Ils ont fait dans la compacité ce qui a de très gros avantages et des points un peu plus négatifs qu'on verra ensemble. On va parler de l'autofocus qui a été mis à jour avec un nouvel autofocus. Et on va parler de toutes ces petites choses. Alors avant tout, petite présentation du matériel. On est parti il y a quelques semaines faire une petite vidéo. À chaque fois, on essaye de trouver des thèmes chez Digit pour ces lives. On essaye de se mettre dans l'ambiance, de cerner l'image du boîtier. Donc on va vous montrer une vidéo. On est parti pour le côté un peu baroudeur qui colle fort à cette marque Pentax. On est parti un petit peu dans les montagnes alsaciennes faire une espèce de randonnée photo. Alors attention, on est vraiment sur du shooting inspiration, c'est-à-dire qu'on est parti dans des montagnes parce que on sait que Pentax a ce côté un petit peu baroudeur, mais ce boîtier peut encaisser infiniment plus que ce qu'on lui a montré en allant marcher 1h30 dans les montagnes. Et évidemment, on aurait pu le faire avec n'importe quel autre boîtier de n'importe quelle autre marque. Le boîtier n'a absolument pas souffert, mais c'est juste qu'on s'est dit que des images nature, que des images randonnées pouvaient fortement coller à ce shoot. On n'a malheureusement pas pu partir au Canada ou dans le Grand Nord, là où du coup, il montre vachement plus de quoi il est capable. Donc je vais laisser Fab lancer cette vidéo qui dure 2 minutes ou une, je ne sais plus, et on en parle après. Ok. Donc du coup, petite vidéo qu'on a pris plaisir à faire. On remercie Charlène, la modèle, qui a été vraiment cool. Donc on est parti sur ce shoot, comme je vous l'ai dit, un petit peu inspiration baroudeur. Mon ressenti sur ce boîtier, c'est que, comme je vous le disais en intro, le résultat purement technique et graphique de ces photos, on aurait pu le faire avec énormément de boîtiers, bien évidemment. Ce qui va faire l'ADN d'un boîtier, finalement, je crois, c'est tous ces petits ajouts
qui vont être propres à certaines marques, à certaines recherches qu'elles vont faire, à certains axes qu'elles vont préférer privilégier par rapport à d'autres. Finalement, si on regarde bien dans le marché actuel, on a tendance à catégoriser les appareils selon leur type de capteur, et puis leur coût, puis les fonctions qu'elles ont dedans. Donc, on va partir en détail dans cet appareil. On a donc un APS-C avec un capteur rétroéclairé de Sony de 26 millions de pixels. 26 millions de pixels, c'est quelque chose que moi, j'apprécie. Alors j'ai, personnellement, je bosse avec un appareil qui a 46 millions de pixels. Ça me sert rarement, en vrai, d'avoir autant de pixels. Je suis content de les avoir dans un cadre très pro et de temps en temps. Mais avec une 26 millions, je trouve qu'on a un rapport poids des images et puis densité de pixels exploitables qui est vraiment cool. C'est quelque chose qui me convient tout à fait. Le capteur est cool, c'est qu'un capteur nouvelle génération, c'est ce que je disais. Hein. Avec cet appareil, Pentax étend sa gamme tout en restant sur une rétrocompatibilité assez poussée du fait que la monture soit la même, que les batteries soient les mêmes, on en reparlera après. Le capteur, je l'ai trouvé, il encaisse une assez bonne dynamique, je ne mesure pas les diaphs, je n'en sais rien. Il y a des photos de la vidéo où le modèle est à contre-jour, j'ai pu capturer le ciel et son visage avec sans trop de problèmes. Le capteur et les RAW répondent bien. Alors, je le redis comme à chaque fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas, le seul problème c'est que le chat est très petit, donc je les vois pas très bien, mais au pire voilà, on grossira le chat. J'ai shooté en RAW DNG pour être sûr d'avoir une compatibilité avec mon workflow de travail s'il y a des gens qui se posent la question. Donc ensuite, prise en main, c'est vraiment sur ce boîtier ce qui m'a un petit peu dérouté au début. Et finalement, j'ai fini par comprendre un petit peu comment ça marche. Comme je vous le disais, il y a des boutons absolument partout sur le boîtier, sur les côtés, devant, derrière. Il y a trois molettes, on est habitué aux appareils à deux molettes, il y en a une troisième, il y a un joystick, l'écran est évidemment tactile, ça de nos jours on a l'habitude. Du coup, comment marche tout ça, on le verra un peu plus tard parce qu'on va faire un tour du boîtier vraiment vraiment détaillé. Je vais juste faire un tour global du boîtier, comme ça après on passe vraiment dans les détails. On parle d'un boîtier qui est assez compact, alors j'ai mis un objectif assez gros dessus, mais le boîtier est assez compact, ce qui est bien. Il y a des gens qui recherchent la compacité, surtout quand on parle peut-être de baroudeurs et compagnie qui veulent aller se balader en rando. Alors, la compacité a l'avantage d'être compacte. On a un petit inconvénient, c'est qu'on perd l'écran orientable. L'écran est fixe, tactile mais fixe. Ça peut en rebuter certains qui font de la vidéo, qui veulent faire des prises de vue très proches du sol, mais grâce à cet écran fixe, on gagne des centimètres et des millimètres assez précieux pour la compacité de l'appareil. Le grip est vraiment profond. C'est quelque chose qui est assez agréable. Alors, encore une fois, je le répète, j'ai des petites mains, mais le grip se tient bien. Il se tient très bien. Et c'est un boîtier où globalement, tout va tomber sous les doigts. Je le répète encore une fois, on a trois molettes qu'on va détailler très précisément et énormément de boutons qu'on va détailler très précisément. C'est la dernière fois que je vous le dis. Parce qu'on va parler du viseur. Alors, on a un viseur qui est évidemment un viseur optique avec un pentaprisme qui est appelé viseur hybride. Alors, avant que de fausses idées apparaissent, on entend par viseur hybride, on n'entend pas, je ne vais pas voir mon image numérique dans le viseur, évidemment. Pentax a développé un système où je peux en surimpression, avoir des informations directement dans le viseur. Et ça, c'est quelque chose qui marche parce qu'en fait, il y a beaucoup d'infos, du coup, dans le viseur. Encore une fois, je suis désolé, c'est la seule chose que je ne peux pas vous montrer ce qui se passe là-dedans parce qu'il faudrait y coller l'œil. Mais il y a beaucoup d'infos, mais qui ne gênent pas vraiment la prise de vue. Tout est en transparence. Et c'est-à-dire qu'en mettant l'œil dans le viseur, je peux avoir les niveaux, savoir si je suis droit ou pas. Je peux savoir en quel mode je shoot, quels sont tous les réglages de l'appareil. J'ai un bouton ici qui est très polyvalent, qui s'appelle SFN, pour seconde fonction, j'imagine. Quand j'ai l'œil dans le viseur et que j'appuie dessus, tous les réglages de l'appareil apparaissent. Je sais exactement comment est réglé mon appareil. C'est un truc qui peut se vouloir rassurant, sans enlever la tête
du viseur et c'est assez agréable et ça marche tout seul quoi. Or, je ne sais pas comment ça marche techniquement parce que je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, à l'œil, on a une sorte de surimpression d'information. Le viseur, parlons-en parce que c'est un des énormes points forts de ce boîtier, viseur 100%, avec un grossissement de 1,05. C'est un viseur très clair, très large, dans lequel on est très à l'aise. C'est pour moi un des plus gros points forts de ce boîtier, clairement. On voit que ça a été travaillé pour. Le viseur, on met l'œil dedans, on voit vraiment, on est à l'aise. On est très très à l'aise. C'est un savoir-faire de chez eux qui n'est plus approuvé et c'est quelque chose qui est très 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 agréable. Jusque-là, on est bon. Il y a un nouvel autofocus dans cet appareil. J'ai toutes mes infos parce que je ne retiens jamais les chiffres. On a 101 collimateurs, un nouvel algorithme et une détection des visages. On retournera dans les menus plus tard. Il ne faut pas s'attendre à des choix d'AF qu'il peut y avoir sur d'autres boîtiers où on va vraiment avoir une appellation mise au point sur l'œil, mise au point... On va régler dans l'appareil le fait que est-ce qu'on accorde une importance ou pas à la détection du visage et ensuite, dès qu'on sera en AF continue, il va accorder de l'importance ou pas à un visage si on l'a activé. L'AF m'a paru très réactif, très très réactif. Après, j'ai eu des optiques en prêt de chez Pentax et je sais que ça a été assez dur d'en avoir une large gamme. Et du coup, j'ai eu des optiques qui étaient vraiment très, très espacées dans le temps. Il est vrai que l'AF était beaucoup plus rapide sur des optiques récentes, mais ça, je veux dire que la communication boîtier-objectif, on n'a plus à prouver que ça joue bien dans l'AF. J'ai remarqué que c'était quand même vachement plus rapide sur les optiques qui étaient plus récentes. Sans toutefois être mauvais, attention, sur des optiques qui n'étaient pas récentes, mais j'ai remarqué une différence de vélocité. C'est quelque chose qui, ça m'a pas vraiment fait défaut. Je me suis pas posé la question en fait, je suis rentré chez moi, mes rushs étaient assez bons. J'ai pas eu de problème particulier, c'est un AF qui fonctionne. Alors je l'ai pas testé en conditions sport, mais je pense pas non plus qu'on soit sur un AF pour faire de l'AF1 ou ce genre de choses. C'est un AF qui est dans cette gamme d'appareils tout à fait correcté, enfin qui marche quoi, sans aucun souci. Et encore une fois, je dis très réactif avec des objectifs qui sont un peu plus récents. Pentax, évidemment, quand on parle Pentax, on parle tropicalisation. C'est des boîtiers qui, même dans des boîtiers d'une gamme inférieure à celui-ci, chez Pentax, on est souvent tropicalisé. Qu'est-ce que veut dire tropicalisé? J'ai les mots ici parce que c'est des mots très précis. Il est résistant à l'humidité, aux poussières et à la pluie fine. C'est-à-dire qu'on ne va pas le jeter dans l'eau. C'est pas un appareil photo submersible. Mais on peut aller dehors, s'il neige un peu, on peut shooter sans aucun souci. S'il y a une pluie fine, on peut shooter sans aucun souci. S'il y a un orage géant et qu'il tombe des litres d'eau, allez vous mettre dans la bagnole. Mais poussière, pluie fine, intempéries, humidité, il ne risque pas grand-chose, rien. Il y a 90 joints à peu près partout dans l'appareil, je ne saurais pas vous dire où. Encore une fois, on est vraiment sur un côté robuste. On a envie de lui faire confiance et j'ai l'impression que ça marche sans aucun souci. Comme je vous le redis, on est confiné, on a du couvre-feu, c'est très très compliqué pour nous d'aller tester des choses. Quand on a vu le bordel que c'était au niveau paperasse pour aller faire cette vidéo qu'on a faite, on peut pas malheureusement s'amuser à bouger partout. Mais de ce que j'en ai vu, c'est quelque chose qui... c'est un boîtier qui donne confiance quand on le prend en main. On va passer un petit peu au tour d'horizon de ce qu'il propose. Si tu vois des questions, t'hésites pas, Fab, parce que... Non, c'est bon, on peut continuer. On va passer au tour d'horizon. Donc, on a fait un truc qui est très chiant pour moi, mais qui va être très cool pour vous. C'est-à-dire que j'ai... je vais vous montrer tout de suite. Hop. On a la vue du boîtier. Tu peux le repasser, Fab. En vue du boîtier. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez ce que j'ai sur mon écran, mais moi, du coup, je ne vois plus rien sur l'écran parce que la sortie HDMI bypasse l'écran. Donc, pour moi, ça va être très chiant. Mais ça ne marche plus, d'ailleurs.
C'est ça. Donc pour moi, ça va être très chiant, mais pour vous, bah, du coup, c'est ultra confort. Je vais essayer de m'y faire. Donc si je suis un peu lent, désolé, parce qu'il faut que je regarde où j'appuie et ce que ça fait sur l'écran d'en face. Là, ce que vous avez, c'est globalement la vue arrière de l'écran. La vue arrière de l'écran, elle me propose énormément de choses et peut-être trop au début. On voit cette roue avec plein de choses qui se passent, là on se demande ce que ça peut être. Et je vais tout vous expliquer petit à petit. Déjà on voit qu'en haut, bah, j'ai mes réglages principaux. J'aurais tendance moi à ne servir que de ça. ISO, ouverture, vitesse. De manière générale, ah oui c'est vrai qu'il se met en veille l'écran. Je peux aller régler ça, ne bougez pas. Je vais juste faire ça vite fait. Écran LCD. Éclairage l'écran LCD, non. Alors ça c'est un truc que j'ai même pas fait chez moi, on va y aller ensemble. Affichage de l'écran, tout à fait. Écran d'état, marche. Alors je suis désolé, on aurait dû le faire avant. C'est pas ça. Hop, où es-tu? On va mettre regarder, c'est peut-être ça. Et on y affiche, hop, est-ce que ça marche? Écran de contrôle, ça doit être ça, photo, c'est bon. Est-ce que ça va rester? Sinon, je rappuie sur le bouton de temps en temps. Donc, on voit que j'ai toutes mes infos principales. En haut, 1/200 de seconde, f2.8, ISO 100. Et on voit qu'elles sont en verte. Parce que c'est tout l'intérêt de ce boîtier, c'est qu'il est extrêmement paramétrable. C'est-à-dire qu'ici, j'ai sur la roulette avant, c'est ma vitesse. Sur ma molette arrière, j'ai mon ouverture. Et sur cette troisième molette qu'on voit ici, j'ai mes ISO. Alors ça, j'insiste sur ce fait, je l'ai réglé comme ça moi-même. On peut déjà tout changer de base. Alors, ouverture vitesse, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur deux molettes, sur tous les appareils photo et c'est très pratique. Moi, j'aime bien avoir les ISO rapides directement à portée de main. Il y a évidemment un bouton ISO sur lequel je peux appuyer pour l'avoir sur la molette arrière. Mais je me dis qu'avoir trois molettes différentes, c'est quelque chose qui va m'apporter... tout tombe sous la main, quoi. Je suis dans le viseur, j'ai l'ISO, j'ai tout ce que je veux. Bonjour, globalement pour vous, est-il un peu au-dessus ou un peu en dessous du Canon EOS 7D2 pour la photo de nature? Je n'ai malheureusement jamais testé ce Canon. Et c'est le problème que j'ai, quand je vous dis que c'est très compliqué pour moi de tester des boîtiers, c'est que je ne les teste pas tous et que du coup c'est assez compliqué... pour moi, donc je ne saurais pas vous répondre. Je peux vous répondre quelque chose de très global que j'ai dit au début. C'est un boîtier qui vous sortira des photos très bonnes, très très bonnes, sans aucun souci. Ce qui va faire ses spécificités, justement, c'est ce qu'on est en train de voir, toute la façon dont on peut le paramétrer pour l'adapter à notre façon de travailler. Là, comme vous voyez en direct, quand je bouge le boîtier, il y a un niveau qui bouge. Je le vois parce que je réagis, je le vois en direct. Les niveaux sont vraiment mis en avant sur ce boîtier, il y en a dans le viseur, il y en a un peu dans tous les côtés. Je pense qu'on est un peu là pour les photographes de paysage, ils ont pensé à eux, c'est vraiment cool. C'est compliqué du coup de ne pas faire une photo de niveau parce que ils sont présents dans le viseur, ils sont présents sur l'écran, ils sont présents partout. Et surtout, il y a une fonction, alors je ne saurais plus vous dire laquelle ni où, mais il y a une fonction qui permet de rattraper un horizon un petit peu penché automatiquement dans l'appareil. Donc du coup, on y retourne. Hop. Donc je parlais donc de ces trois molettes. On verra après ce qu'on pourra faire avec cette molette précisément qui est ici et qui marche plutôt cool. En dessous, j'ai mon indicateur d'exposition qui marche très bien. J'ai mes modes AF qui sont à droite. Et ensuite, j'ai des pictogrammes qui montrent absolument tout ce en quoi est réglé l'appareil. Et tous ces pictogrammes, en fait, ils correspondent aux boutons physiques qui sont sur l'appareil. C'est-à-dire que là, SR, donc Shake Reduction, donc stabilisation d'image, j'ai un bouton qui correspond, qui est ici. Tu peux peut-être me passer en grand, juste 2 secondes. Ouais. Là, ici, là, j'ai un bouton du coup qui s'appelle SR et qui correspond au pictogramme SR qui est sur l'écran. Et en fait, chaque pictogramme que vous voyez sur cet écran a un bouton qui lui est associé. Donc ça veut dire que ce que j'ai envie de vous dire avec cet appareil, il paraît très, très, très dense parce qu'il l'est. Mais une fois qu'on l'a réglé, mais ça par contre, il faut y prendre, faut y passer du temps. Une fois qu'on l'a réglé, on n'a plus besoin d'aller dans les menus. Et ça, en vrai, c'est plutôt cool. Parce que ça nous permet d'avoir un appareil qui est configuré comme on le veut nous. Et ensuite,
eh ben on peut aller s'amuser à faire des photos. Mais il faut vraiment le prendre en main. C'est un appareil qui se... Je pense que on le file à deux personnes différentes. On n'a pas le même appareil. On a vraiment... quand je vous dis que tout est paramétrable, on verra après, il y a un menu qui est absolument génial. Où moi, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai fait « Wow, donnez-moi un Doliprane ». Et finalement, une fois qu'on met les doigts dedans, c'est génial. Remets l'écran. Alors voilà, donc là, j'appuie sur le bouton « Shake Reduction » et donc on voit le pictogramme qui bouge. On en parle de la stabilisation de ce boîtier. Stabilisation du capteur qui permet jusqu'à 5,5 vitesses de gain, ce qui est quand même assez énorme, ce qui marche plutôt bien. On va continuer un petit peu, on voit que je shoot en RAW DNG, j'ai encore une fois un bouton RAW ici qui me permet de changer la qualité d'image, la façon dont les images sont mises sur les cartes. C'est un bouton qui me faisait peur au début, qui me faisait très peur parce que je me suis dit, moi j'ai peur d'appuyer dessus. J'ai peur d'appuyer là-dessus, en mariage par exemple, et que je passe de RAW à JPEG. C'est quelque chose qui je me suis dit, je ne veux pas de ce bouton. Et pour le coup, ça ne fait pas ça. C'est-à-dire que si jamais on est en JPEG dans le boîtier, donc là pour le coup, il faut aller dans les menus, si on est réglé en JPEG, ce bouton va passer de JPEG à RAW plus JPEG. Mais si on est en RAW, il va passer de RAW à RAW plus JPEG. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on peut perdre le RAW si on était sélectionné en RAW dans le boîtier. Donc finalement, c'est quelque chose qui marche bien. Et moi, je m'en servirai jamais, mais c'est une fonction qui est présente. À côté, bon, hop là, je cherche le bouton sur le boîtier, parce qu'il y en a partout, il est là. Donc à côté, on a la cellule, la façon dont la cellule va faire l'exposition. Hop, donc je peux changer ici. Donc j'appuie sur le bouton, encore une fois, ça le sélectionne. Il est là. Et une fois que c'est sélectionné, on voyait en bas, à chaque fois, tout est assez clair. Il me montre en bas que je suis en spot avec la molette. Et je tourne la molette et je change les modes d'exposition. Hop. Et je rappuie dessus pour enlever. Et après, en fait, ça marche globalement pour tout ce que vous voyez. Là, on voit que je suis en AF photo. J'ai un bouton AF. Vous allez comprendre que ça se passe tout seul. Et si je tourne ici, je change mes collimateurs avec la molette arrière et avec la molette avant, je change à FS ou à FC. C'est globalement, c'est vraiment ça, ce boîtier. C'est quelque chose où tout tombe sous les doigts. Et là encore, j'ai envie de dire qu'on est dans le mode manuel de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, j'appuie sur le bouton et je change avec mes molettes. Je veux la F, j'appuie sur le bouton AF et je regarde ici comment ça se passe. Mais ça, c'est encore la version, je mets les mains dedans. Parce qu'il y a encore une façon de faire plus simple avec ce boîtier qu'on verra plus tard. Donc je finis juste le petit tour d'horizon. On a en dessous la roue qui correspond du coup à cette roue qui est ici, la roue, le pavé tactile comme on pourrait dire. À gauche, la balance des blancs. La balance des blancs qui a une fonction vraiment cool, on verra ça après. En haut, on a le mode de déclenchement, donc si on veut des prises de vue en rafale et compagnie. En bas, on a quelque chose que je ne peux pas vous montrer du coup parce que c'est lié à l'écran. Et c'est quelque chose qui est vraiment cool. C'est les niveaux de luminosité de l'écran. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense aux gens qui des fois sont un peu dans le rush, font du mariage. Je passe d'un endroit très sombre à un endroit très clair. Une pression en bas et je peux monter mon écran ou baisser la luminosité de l'écran. Ça prend 2 secondes. Voilà. Et ça, sans rentrer dans les menus, encore une fois. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool. Quand on le met en mode plein soleil, donc tout en bas, ça banane fort. Alors, je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour avoir son incidence sur la batterie, mais c'est quelque chose qui tape assez fort. Hop. Et à droite, on a la personnalisation d'image, ce qui est globalement en fait les profils d'image. Si vous shootez en RAW, vous pourrez les changer par la suite. Ce n'est pas un problème. Si vous voulez avoir un rendu JPEG plus ou moins typé dans le boîtier, c'est là-dedans qu'il faudra aller. Mais si vous shootez en RAW, vous pourrez resélectionner ces différents profils dans Lightroom. Mais ça marche, c'est quelque chose qu'on a sur tous les boîtiers, hein, qui est accessible directement, encore une fois, avec cette molette. On a un flat. Le flat, ça va plus parler aux gens qui ont l'habitude d'utiliser des profils
pas linéaire, mais presque, mais c'est des profils plats qui nous permettent d'avoir très peu d'interprétation du boîtier, qui sont très utiles en vidéo, qui peuvent marcher plutôt bien. On verra après que ça, c'est que le début de ce qu'on peut faire avec le traitement d'image dans le boîtier. J'ai envie de vous dire que ce boîtier, alors il intègre une possibilité de développer ses RAW à l'intérieur. Et c'est un truc que moi, je vais rarement en profondeur dans les boîtiers quand c'est mes boîtiers perso. En général, quand j'achète un boîtier, je me mets AFS, AFC, ouverture, vitesse, ISO, et puis je fais ma vie avec. Et là, du coup, pour vous le présenter, parce que c'est aussi mon rôle, hein, mon rôle à moi, c'est pas de vous le vendre, hein, c'est de vous le présenter tel qu'il m'apparaît. Et j'ai été chercher dans tous les menus et j'ai trouvé des trucs. Et je me souviens que petit à petit, je me disais putain, c'est pas con, ah, c'est pas con, et c'est pas con. Et en fait, il y a plein de trucs qui vous serviront peut-être jamais, mais qui vont plaire à d'autres. Et en fait, encore une fois, le but d'un boîtier, c'est de vous proposer des choses. Si ça vous plaît, vous prenez. Si ça vous plaît pas, vous prenez pas. J'ai une question. Le joystick est aussi une nouveauté chez Pentax. Quelles sont vos impressions concernant celui-ci? Alors, le joystick permet globalement de sélectionner le collimateur AF. C'est un joystick tout à fait de type classique. Il faut bien l'actionner. Il marche sans souci, mais il faut bien aller au bout de la course pour que les collimateurs soient pris en compte. Si on clique dessus, ça revient au collimateur central, ce qui est pratique, mais ce qui, encore une fois, est commun à beaucoup d'appareils, mais ce qui est très pratique. On choisit son collimateur. Si on est perdu, on clique au milieu et puis le collimateur revient. Il sert aussi à se balader dans une image. Je crois que j'ai fait une image tout à l'heure complètement dégueulasse, mais on va la montrer. Voilà. Il sert aussi à, si on zoome, on va zoomer là-dedans. Voilà, on peut se déplacer avec le joystick dans l'image. Voilà, tout simplement. Alors, si l'image est violette, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait des tests avec ce boîtier juste avant. Du coup, le joystick, c'est un ajout qui, pour moi, alors. C'est Amanda qui me dit que c'est une nouveauté chez Pentax. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser sur mes boîtiers. C'est cool. Donc, c'est une belle nouveauté, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose de très pratique à avoir et qui tombe bien sous le, qui tombe bien sous les doigts. S'il y a un bouton qui m'embête un peu, c'est le bouton pour lire les images, pour faire justement ce playback d'images. Parce que. Alors, c'est peut-être moi, hein, et c'est vraiment bidouille, hein, mais. On va dire, je vous donne mon ressenti complet sur cet appareil. Il touche toujours la molette. Il est entre le caoutchouc du viseur et la molette. Et c'est vrai qu'il m'arrive souvent de tourner la molette quand je veux y aller vite. C'est le seul bouton qui, pour moi, pourrait être mieux placé. Mais donc voilà, je finis le tour. J'ai fini le tour. On a à gauche la balance des blancs. Et ça, on va en parler tout de suite parce que justement, c'est cool. Je peux faire une photo. Je vais regarder ce que ça dit en face. Hop. Et donc du coup, comme je vous disais, j'ai tous les réglages directement sous le doigt parce que j'ai ISO, hop, ouverture. On va voir ceux qui bossent du coup, hein, ou du moins qui font semblant. Et je suis, hop, je vais me mettre en AFC, AFS. C'est bon. Alors là, vous voyez, je suis en train de chercher les modes personnalisés qu'on a fait tout à l'heure. Et comme ça, on verra ça ensemble après. Et donc en fait, l'idée, c'est que si on fait une photo avec ce boîtier, si je vais sur le mode balance des blancs, il prend la dernière photo que j'ai faite et il me permet de voir directement ce que va donner la balance des blancs quand je vais l'appliquer. Et ça, en vrai, c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment pas bête parce que ça me permet de visualiser sur une photo que je viens de faire quel sera le rendu de la balance des blancs sur les photos suivantes. Et c'est un truc que j'ai trouvé très malin. Encore une fois, voilà, petit manquement pour moi que j'aurais voulu voir apparaître. Quand j'ai des températures de couleurs prédéfinies que je peux choisir moi-même, on va les montrer, on va aller dedans. Hop, si je vais sur Info. Là, par exemple, je suis à 5600K pour la balance des blancs 1. Et j'aurais bien voulu que ça apparaisse. Si par exemple, j'ai mis 5600, 3200, 7000, j'aurais bien voulu que ça apparaisse quelque part, qu'on me dise quel est le réglage que j'ai choisi, quoi. Mais donc, du coup, il y a des balances des blancs personnalisées, évidemment, et toutes les balances des blancs connues sur tous les appareils du monde. Mais ce côté où je prends une photo et je peux faire la balance des blancs visuellement, je trouve ça vachement cool. Un truc qui marche plutôt bien. On va continuer. Avant de faire le tour des menus, on va regarder un peu ce qui permet en vidéo.
C'est une autre nouveauté du coup chez Pentax, c'est la vidéo 4K à 30 images par seconde. Alors, qu'est-ce que la vidéo sur ce boîtier ? Ce boîtier n'a pas un ADN vidéo. On s'en rend vite compte quand on l'utilise. La partie vidéo dédiée n'est pas très étoffée, mais il promet et permet de faire de la vidéo 4K 30 fps et de la vidéo Full HD 60 fps. Alors pour les gens qui sont un peu novices dans la vidéo, à quoi ça sert tout ça ? 4K et Full HD, c'est la résolution. 4K est 4 fois plus grand que le Full HD. Ça nous permet, de nos jours, le 4K permet soit de diffuser en 4K sur du matériel qui permet de diffuser en 4K, soit de diffuser en 1080, donc en Full HD. Et ça nous permet du coup de zoomer dans l'image jusqu'à 4 fois pour aller chercher des zooms numériques, pour faire des travelling. Donc l'intérêt de la 4K de nos jours, il est plus à démontrer parce qu'on commence à diffuser en 4K largement, mais il y a beaucoup de vidéos qui sont en Full HD dans lesquelles on zoome dedans, dans lesquelles on va chercher des détails. Donc la 4K, c'est pour moi très bienvenu sur ce boîtier, ça aurait été un gros manque s'il n'y en avait pas. Quand je vous dis que ce n'est pas un boîtier qui a un ADN vidéo, on peut tout à fait faire des vidéos exploitables. Mais si vous êtes vidéaste professionnel, vous n'allez pas acheter ce boîtier. Très certainement, il va manquer de fonctions poussées qui ne manqueront pas à des gens qui sont photographes et qui veulent faire une vidéo. Ça propose la vidéo, je pense, mais je suis quasiment sûr, en 4:2:0 ou 8 bits. Globalement, c'est ce format de vidéo là, c'est ce que moi j'appelle le JPEG. C'est-à-dire que ça va vous faire des vidéos de la qualité de vos photos sur ce boîtier, tout simplement. La seule chose qui va manquer pour en faire un appareil avec un ADN vidéo, c'est vraiment de pouvoir aller étalonner très sévèrement les images. Si vous shootez droit et que vous gardez vos fichiers assez naturels, et ben ça fera des vidéos d'une qualité très bonne. J'ai fait une vidéo, alors hier, encore une fois, j'ai profité que j'ai une amie qui est passée à la maison pour faire une vidéo dans la rue. On a fait... c'est ce qui est vraiment dommage avec ce boîtier, c'est ce côté où, on verra tout à l'heure, j'ai fait des photos de nuit pour parler de l'ISO. Mais ben, la nuit, ben, j'ai essayé de respecter les règles, donc je suis sorti sur mon trottoir et c'est tellement dommage. Mais la période est bizarre, que voulez-vous. Donc du coup, on a été hier en fin de journée très vite fait faire une vidéo, si tu peux la lancer Fab. S'il n'y a pas le son, c'est pas grave. Hein. Je vais même parler dessus, t'en mets pas. Donc voilà, là ce qu'on voit, c'est qu'en fait, bah, ça fait des vidéos qui sont de la qualité de ce que fait le capteur en photo en fait. Et si là les photos sont les vidéos sont traitées naturellement, et bah, si on ne lui demande pas plus que ça, et bah, c'est parfait. Je pense qu'il faut arrêter de nos jours de tout demander aux appareils et de leur demander de tout faire. Moi, quand je suis passé à la vidéo, par exemple, et ben, j'ai pris un setup vidéo dédié, quoi. J'ai pris d'autres caméras parce que en fait, c'est compliqué de tout faire. Ou alors, on arrive à des appareils qui valent 7 ou 8 000 euros, qu'on connaît. Donc du coup, la vidéo, si vous faites des vidéos, vous faites du paysage, si vous faites du portrait, si vous faites ce que vous voulez, et que vous voulez filmer ce que vous avez devant les yeux avec la colorimétrie de ce boîtier, avec le traitement d'image de ce boîtier, ben, ça marchera. Ça marchera sans aucun souci. Juste, alors pour les gens qui sont vidéastes, on ne shoot pas en log, on ne shoot pas en RAW, on ne shoot pas en 4:2:2 10 bits, on shoot de la vidéo native en 4:2:0 8 bits, mais qui marche quoi. Qui marche, et juste, il ne faut juste pas trop lui en demander, c'est-à-dire qu'il faut considérer cette partie vidéo de l'appareil comme une partie photo animée, j'ai envie de vous dire, parce que finalement c'est ça, c'est ça la vidéo, c'est des photos qui bougent. Il ne faut pas lui en demander trop, il ne faut pas aller chercher à trop étalonner et à vouloir avoir la même souplesse que sur un RAW photo. Est-ce que l'autofocus est réactif en vidéo ? Alors, on va en parler de cet autofocus en vidéo parce qu'il a un truc qui est assez rigolo, qui n'est pas ergonomique, mais qui est rigolo, qui montre qu'il est réactif. Mais déjà, de base, l'autofocus en vidéo, ça dépend ce que vous filmez. Mais l'autofocus en vidéo, c'est compliqué. C'est très compliqué. De nos jours, Sony et Canon font des autofocus en vidéo
qui sont très performants sur des boîtiers qui valent le double de celui-là. L'autofocus vidéo, c'est quelque chose même que moi je ne conseillerais pas d'utiliser sur 95% des boîtiers, parce que il va y avoir un effet de pompage certain, et ça, peu importe la marque, à part celle que je viens de citer sur certains boîtiers, mais l'autofocus vidéo, c'est quelque chose qui pour moi va marcher si vous faites un plan assez fixe, que vous voulez faire ce qu'on appelle un pré-shot, enfin vous avez un plan, vous mettez un petit coup d'autofocus, vous faites un push d'autofocus en fait, c'est comme on appelle, hein. L'autofocus est fait, vous filmez, mais si la personne s'approche de vous en AFC assez vite, non, il y a un moment où ça va décrocher. Si vous voulez quelque chose de très très net sur toute la course, sincèrement, ce boîtier-là n'est pas fait pour ça. Faut pas voir ce boîtier en vidéo pour faire de la fiction. Il faut pas le voir non plus pour faire du reportage. Je pense qu'il faut le voir pour faire des pastilles, pour faire des souvenirs, pour faire des prises de vue fixes ou qui bougent. Mais il faut pas non plus s'imaginer qu'on va tourner de la fiction avec ce boîtier en autofocus, parce que encore une fois, c'est pas dans son ADN. Mais toutefois, on va le passer en mode vidéo. Alors, il y a une molette ici, hein. Il y a des molettes partout sur ce boîtier. Il y a une molette ici qui me permet de passer en mode vidéo. Tu peux remettre le boîtier. Alors ça, je sais pas si ça va marcher vu que je suis en mode... Vu que je suis chez vous. Alors là, du coup, la balance des blancs, je l'ai réglée sur un truc qui n'est pas logique. Donc les images, forcément, ne sont pas fidèles. Mais... Alors, je peux pas vous le montrer, malheureusement, parce que j'ai la HDMI qui désactive le tactile. On peut avoir un AFC... tactile, tu peux enlever le retour du coup, sinon je te vois boire, regarde, au moins on voit que vous travaillez dur. Tu peux enlever, ouais, il y a, je vais vous le montrer, je vais le débrancher, ça risque rien si je débranche, c'est pas un souci pour toi. Donc en vidéo, hop, si on passe en AFC, là je suis en AFS, on va passer en AFC. On peut appuyer et faire bouger, alors je sais pas si vous le voyez là, et on peut faire bouger le collimateur et il va suivre en AFC. Alors, il va lui falloir un temps d'adaptation, il va lui falloir qu'il se mette au point, évidemment, mais on peut avoir un AFC au doigt et je trouve ça assez cool. Mais bizarrement, ça fonctionne sur... Si vous avez par exemple deux personnes fixes et que vous le passez d'une à l'autre, vous appuyez une fois ici, une fois là, et l'AF va marcher. Quand je vous dis que l'AF continue marche pas en vidéo, je vous parle surtout des plans où des personnes vont s'approcher devant vous. Si vous avez par exemple un animal ou un enfant qui court vers vous, l'avoir net du début de la course à la fin de la course, non. Mais par contre, si vous avez des gens, vous êtes en train de filmer une réception, des amis, quoi que ce soit, vous faites un petit coup sur un petit coup sur l'autre, évidemment que ça marchera, parce que là, pour le coup, c'est fait pour ça. Hop. Alors, je n'ai aucune idée de l'heure. Je discute, mais beaucoup trop peut-être. Ah bah oui, je discute beaucoup trop. On va parler des ISO de ce boîtier. Parce que, en fait, ce que j'ai découvert avec ce live, avec Pentax, et ça, je ne m'y attendais pas, c'est la communauté Pentax. Alors, je me suis fait très discret. Hein. J'ai été voir quelques forums. On voit que j'ai bientôt 35 ans. J'ai été voir quelques groupes Facebook. J'ai été voir les publications un peu qui traînaient pour voir un peu ce que vous attendiez de ce live. Parce que, encore une fois, mon but, c'est de vous présenter, ce boîtier de manière à répondre à vos questions. Et j'ai découvert une communauté Pentax qui est amoureuse de la marque. Et j'ai trouvé ça, c'est une anecdote presque touchante. Je sais pas si tu es là, Lionel, mais Lionel est un confrère, ami, photographe. Quand il parle de Pentax, il a des étoiles dans les yeux. Et j'ai retrouvé ça sur les forums. Ça ne change rien à cette présentation d'appareil. Si cet appareil ne vous a pas convaincu, c'est pas ce que je vous dis là qui va vous convaincre. Mais j'ai trouvé cette communauté bienveillante. Et c'est fou, en fait. Ouais, il y a un truc qui m'a fait sourire. Du coup, j'ai vu passer que des gens parlaient de l'ISO. Alors l'ISO, parlons-en, il est annoncé, il y a toujours les effets d'annonce qui sont du côté technique, constructeur, et puis les effets terrain. Il est annoncé à 1 600 000 ISO en hauteur max. Vous ne ferez pas de photos très détaillées à 1 600 000 ISO, bien évidemment.
j'ai même pas à le préciser, mais ça apparaît sur la fiche technique. Donc on peut se poser la question légitime, qu'est-ce que ça donne à 1 500 000 ISO? À 1 600 000 ISO, ça ne marche pas. Mais à quoi ça sert d'avoir une plage aussi étendue? Et bien ça veut dire que plus la plage est étendue, plus ce qu'il y a au milieu, si les choses sont bien faites, est censé être de bonne qualité. Et donc là, encore une fois, je suis désolé, j'ai été dans la rue. J'ai été dans la rue une nuit sur un trépied parce que, bah parce que j'ai pas eu le choix. J'ai testé des valeurs ISO différentes sur trépied parce que je connais un mec qui s'appelle Antonio Gaudencio qui est un photographe de génie en tout ce qui est paysage. Et quand il va voir ce que j'ai fait dans ma rue, il va avoir des cheveux qui vont pousser, le pauvre. Mais bref, on va partir sur la 100 ISO, si tu as... Attends. Bon, il y a Fab qui est en rodage, mais ça va venir. Il chauffe. Voilà. Le v'là. Donc là, on a une photo... il est très content de lui-même, c'est parfait. On a une photo à 100 ISO, sans aucune... Sans aucune surprise, ça marche très fort. Alors c'est ma rue, voilà. Voilà ce que je vois le soir quand je sors et que je fais 4 mètres. Sans surprise, ça marche très fort à 100 ISO. On peut directement monter. Je sais pas si tu as 3000 et quelques. Je sais plus ce que j'ai. Ouais. Là, on est à 3200. On voit que... Alors, je fais de mémoire hein, parce que là, j'ai l'écran qui est loin, mais de mémoire. Alors, très important pour ces tests en ISO, je n'ai pas... Je n'ai pas activé la réduction de bruit dans l'appareil. Je l'ai laissé en off et je ne l'ai pas non plus traité dans Lightroom. Donc là, les photos sont sorties du boîtier. Il y a juste la balance des blancs qui a été réglée, mais en plus depuis l'appareil. Donc voilà, on peut monter à 6400. Oui, c'est 6400, je crois. Alors là, il y a des étoiles qui apparaissent parce que j'ai fermé le diaph pour faire des pauses plus longues. Et c'est ce qui apparaît. Avec les sources lumineuses, quand on ferme fortement un diaph sur beaucoup d'objectifs, c'est ces étoiles lumineuses que j'aime beaucoup. On voit que 6400, ça marche encore. Je crois quand même qu'on peut aller à 12000. J'ai 12000. Et je ne sais même pas si tu peux zoomer un peu dedans, ce serait bien. Taille près du panneau, là. On ne va pas trop voir les plaques de mes voisins, je vais me faire engueuler. Mais... bon, après, elles sont en 2048 pixels, donc zoom pas trop. Mais on voit que... ça marche encore. Et là, j'insiste, les photos ne sont pas traitées ni par le boîtier, ni par Lightroom. Le grain est laissé tel quel. Donc moi, j'ai remarqué que pour de la publication réseaux sociaux, jusqu'à 30 000 et quelques ISO, je ne sais plus combien c'est exactement, je l'ai noté sur les fichiers. J'ai pas 30 000 quelque chose? Bah, mais 25 000. Alors, c'est celui-là? Ouais. Ah bah, j'ai pas exporté le 30 000. Le step au-dessus, il passe encore. Je sais pas pourquoi il est pas dans les fichiers. Et remets-la en def normal. Voilà. Et là, on est à 25 000 ISO. Alors évidemment, si on crop dedans, il y aura du bruit. Bien évidemment. La montée en ISO sur des boîtiers, c'est pas là pour vous garantir que vous aurez la même qualité à ISO 100 qu'à ISO 30 000. C'est là pour vous dire, si jamais les conditions ne sont pas réunies, vous pourrez, en faisant une concession sur la qualité d'image, sur les détails, sortir une photo quand même. Ça sert à ça, la montée en ISO pour moi. Ça sert à se dire, bah, ok, j'ai pas les conditions, mais je rentre avec des images quand même. Maintenant, bah là, de toute façon, les gens voient l'écran et tout ça. La photo à gauche qui est bleue, c'est 1 600 000. J'ai voulu tester, j'ai évidemment voulu tester. Et tu peux la mettre, hein, Fabin. Ouais. Ça, c'est ce que vous avez à 1 600 000 ISO. Ça ne veut pas dire que ce boîtier ne monte pas en ISO. Je tiens à vous la montrer, cette photo. Ça veut juste dire que bah, c'est annoncé comme une plage qui va jusqu'à 1 600 000, mais ce n'est pas exploitable en l'état à 1 600 000, évidemment. Tu peux remettre une plus jolie, par contre, parce que si des gens débarquent sur le live... tu peux même remettre ma tête, parce que je ne me trouve pas trop mal aujourd'hui, en plus. Et donc, voilà. Donc, hop, j'attends. Oui, bien sûr, je t'attends. Du coup, la montée en ISO de ce boîtier, moi, j'ai alors après, j'ai une tolérance au bruit, moi, qui est assez grande. C'est ce que je dis, moi, j'ai cette philosophie qui est, si ça me permet d'avoir une photo que j'aurais pas pu avoir, je m'en fous qu'il y ait du bruit. Alors, pas comme sur celle à 1 million, évidemment, mais jusqu'à 30 000. Je me suis dit, la qualité n'est pas inutilisable. Et encore au-dessus, hein, je veux dire,
y a du grain qui est très perceptible, mais on voit encore ce qui se passe sur la photo, quoi. C'est vraiment à partir de 100 000, 200 000 où on commence à avoir un voile sur la photo et à vraiment perdre tout l'intérêt photographique. Alors, on avance vraiment très vite. Je voulais vous montrer un truc très important chez Pentax que j'ai pas compris au début. C'est ce bouton vert. Ce bouton vert, j'ai pas lu le manuel parce que j'aime bien tripoter les trucs. J'ai pas lu le manuel et je pensais bêtement que c'était pour déclencher la vidéo. Je me suis mis en mode vidéo, j'ai appuyé dessus, ça a pas marché. J'ai été chercher ce que c'était. Le bouton vert est un bouton chez Pentax qui est personnalisable. Et moi, je lui ai trouvé une utilité qui est absolument géniale. Que je vais vous montrer. Remets le boîtier. On va aller dans les menus. Ok. Ah oui, bah, du coup, je suis là-dedans. Ok. C'est donc cette partie. En fait, il y a trois sortes de menus. Il y a les menus réglage de l'appareil photo. Il y a les menus, tout ce qui est lecture. Et on verra après comment ça marche pour ce qui est du traitement d'image dans l'appareil. Et il y a un menu personnalisation qui est pour moi le plus gros menu de ce boîtier où on peut absolument tout paramétrer. Et on va aller voir ce bouton dont je vous parlais qui est là. Programmation idéale. Hop, photo, c'est ça. Alors ce menu-là, il vous montre et il vous permet de sélectionner la fonction de chaque molette. Donc les trois que vous voyez. En haut, c'est la molette de devant. Juste en dessous la molette derrière, le bouton vert et la grosse molette qui est nouvelle ici. Il me permet dans chaque menu d'aller chercher ce que je veux. Et donc là en mode P, en mode vitesse, ouverture, enfin tout ça. Et il me fait un truc que je trouve vraiment cool. Je suis en mode manuel, donc là je vais sur le mode M. Et donc je peux rentrer dedans, bouton vert. Et je l'ai mis en AV Shift. Voilà, vous voyez là le vert, il est en AV Shift. Qu'est-ce que ça fait? Et c'est un truc que j'ai trouvé, mais tellement pas bête. Je me mets en fonction en mode manuel sur mon appareil. Donc j'ai mes réglages manuels. Voilà. Ce que j'ai fait avec ce bouton vert, c'est que je lui ai dit, si jamais il y a une scène qui se passe, je panique un peu, je suis plus sûr de mon mode manuel, tu vas me mettre l'ouverture appropriée par rapport aux autres réglages que j'ai. Donc si j'appuie sur le bouton vert, il me passe à 2.8 et il me prévient d'ailleurs que c'est un petit peu sombre parce qu'il clignote. Je vais monter les ISO. Allez, hop. Donc là, par exemple, imaginons que je suis en train de régler mon appareil photo. Hop, et je fais un petit peu n'importe quoi. Donc là, la photo sera très sombre, évidemment. Si je panique, j'appuie sur le bouton vert et il me met l'ouverture qu'il aurait mis en mode ouverture. Et ça, tu peux me remettre moi si tu veux. C'est un ajout que je trouve... c'est con. mais c'est pas bête. Parce qu'en fait, du coup... J'ai le mode manuel et le mode ouverture à un bouton, quoi. Et je trouve ça vraiment cool. On va faire... si vous avez des questions, parce que j'ai parlé beaucoup trop, je suis désolé. Si vous avez des questions, allez-y maintenant. Parce qu'après, on va devoir se quitter. Je sais que des gens ont faim dans l'équipe, des gens qui m'accompagnent. On va regarder un petit peu cette fonction qui est la personnalisation des JPEG et du RAW. Tu peux remettre le boîtier et là on va rusher là-dedans. Quand j'affiche un JPEG que j'ai fait, alors attention, on va essayer d'en prendre un hier soir. C'est ma chambre, bonjour. Quand j'affiche un JPEG, je peux, en appuyant sur le bouton AEL, accéder à ce menu. Et ce menu, il me permet en fait de. C'est quoi le mot que je cherche? De développer mon RAW un peu. Voilà, un peu. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Comme si j'avais un programme de type Lightroom dans le boîtier. C'est-à-dire que je peux recadrer l'image. Voilà, on va dire OK. Hop, je peux recadrer l'image. Je vais annuler ça. Voilà, on y retourne. Donc, je peux recadrer, je peux développer le RAW directement. C'est-à-dire que... Hop là, attendez, voir parce que... Il y a une petite latence avec l'appareil et comme je vais aller trop vite... Et bien forcément, voilà. Donc je peux, hop là, on y est, développer mon RAW. C'est-à-dire que je peux mettre des filtres, changer la clarté de l'image. On a vraiment des trucs, on a vraiment des trucs qui sont comparables à ce qu'on peut avoir sur un Lightroom. On peut correction de la distorsion. On peut vraiment dérotiser l'image dans le boîtier directement. Hop, on va faire annuler. On peut lui mettre des niveaux, donc du coup on peut... Ah, c'est un RAW évidemment.
On peut lui mettre des niveaux. On peut. Alors après, on peut même traiter les vidéos directement, couper des bouts de vidéos. On a donc un espèce de mini fonction de montage de vidéos. Et on peut lui ajouter des. Voilà, on peut lui ajouter des filtres. Enfin bref. Et ce qui est plutôt cool avec cette fonction, c'est qu'on peut, après ça, une fois que c'est fait, exporter un JPEG sur la carte. Et ce JPEG, on peut l'envoyer sur son téléphone à l'aide d'une application propriétaire de chez Pentax. Donc globalement, je peux prendre une photo, la traiter dans le boîtier, l'envoyer en JPEG et la publier. Et je trouve ça pas mal. En vrai, c'est un ajout qui est... Moi, je m'en servirais pas, sincèrement. Mais c'est cool. S'il y a des gens qui ont besoin d'aller traiter de la photo en direct, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a des questions, ça va être maintenant parce que je vais passer à ma petite conclusion de ce boîtier. Mais ça va, tu n'as rien qui arrive de spécial, Fab? Ok. Donc globalement, on va refaire un tour rapide de tout ce qu'on a vu pour les gens qui sont venus après. Mon but à moi, c'est de vous le montrer. Est-ce qu'il est fait pour vous? C'est à vous de décider, c'est pas à moi. Pentax K3 Mark III, capteur de 26 millions de pixels en APS-C. L'APS-C en 2021, on a des capteurs qui marchent très bien. Donc finalement, la vraie question est-ce que le crop factor m'intéresse? Est-ce que shooter avec des focales à 1,5 m'intéresse pour de l'animalier par exemple? La vraie question est là, de nos jours. Boîtier robuste, boîtier compact, avec un AF... mise à jour qui marche bien, enfin mise à jour avec un AF nouveau qui marche bien. Concernant François, concernant l'écran arrière, tu en penses quoi? Eh bien, j'adore cette fonction, je vais vous la montrer là, parce que je pense que là, ça va se voir du coup. Cette fonction-là qui me permet de changer, là, ça se voit vraiment bien, la luminosité avec un seul bouton. Voilà, et du coup, il est quand même vraiment très brillant et très clair. Et le jour où on a shooté, il faisait beau dans les montagnes et j'ai eu aucun souci... J'étais pas sans arrêt en train de mettre le doigt dessus, enfin la main au-dessus. Que pensez-vous de la réaction de l'autofocus de suite à sujet mobile? En photo, ça marche. J'ai pas eu de soucis. En vidéo, j'ai mis des réserves, mais ce n'est pas inhérent à ce boîtier. Comme je le dis à chaque fois que je parle de vidéo, je ne fais que très peu confiance à l'autofocus en vidéo, sauf sur deux boîtiers, trois boîtiers, mais tout simplement. Je ne sais plus où j'en étais, mais on va continuer quand même. Boîtier très personnalisable. La détection de l'œil pour la F se fait aussi par le viseur ou uniquement en live view? Alors en live view, c'est sûr et certain. Ça c'est une bonne question. S'il y a des gens de chez Pentax dans le chat, je veux bien. Mais en live view, sûr et certain, en viseur, je ne saurais pas vous dire. Là tout de suite, petite colle que vous me posez là, Johan. Et du coup, petite chose à savoir, alors c'est un petit détail, mais je préfère comme ça vous avez toutes les infos. Il n'y a pas de chargeur livré avec l'appareil, ce qui n'est pas une mauvaise surprise si vous êtes déjà chez Pentax, parce que du coup les batteries elles sont rétrocompatibles. Donc du coup, si vous avez déjà un Pentax, vous avez déjà un chargeur qui va avec. Mais ça, c'était à préciser. Globalement, je vous ai dit à peu près tout ce que j'ai vu de ce boîtier. C'est un boîtier qui est riche, c'est un boîtier qui est plein de fonctions. On a plus parlé des fonctions internes que du capteur, parce que comme je vous le dis, j'ai l'impression qu'on est dans une ère où on peut faire des jolies photos avec beaucoup de boîtiers. Et ce qui les différencie vraiment, c'est tous ces ajouts justement, c'est toutes ces choses. Et s'il y a quelque chose à retenir de ce Pentax, c'est le viseur, qui est d'un confort vraiment vraiment au-dessus de ce que j'ai connu. C'est la tropicalisation, c'est le côté je peux le prendre un peu sans avoir peur de ce qui se passe. Le tethering est prévu, on peut gérer le boîtier depuis l'application dont j'ai oublié le nom, c'est quelque chose Sync, mais on vous le mettra dans le chat. On peut gérer le boîtier depuis le téléphone ou une tablette sans aucun problème. À moins que vous parliez de tethering par câble pour shooter en mode connecté, je vous avouerai que je ne sais pas. Je n'ai pas essayé du moins, j'ai pas eu le temps d'essayer. Et enfin, voilà ce que je peux vous dire sur ce boîtier. Capteur stabilisé,
26 millions de pixels APS-C, autofocus de nouvelle génération, tropicalisé, superviseur. Je crois que c'est ça. C'est ça, c'est ImageSim que le... Donc voilà, je tenais du coup à remercier évidemment Digit une fois de plus qui m'accueille dans ses lives, à remercier Fab, à Jordan aujourd'hui qui est avec nous. Guillaume n'a pas pu nous accompagner, il nous manque beaucoup, mais on a eu Jordan en remplacement qui est tout aussi sympathique. Je voulais remercier Anto, je voulais remercier Yazid de chez Pintax avec qui j'ai parlé longuement de Pintax pendant des échanges téléphoniques et vidéo, et c'était un vrai plaisir. J'espère avoir répondu à vos questions. Libre à vous d'aimer ce boîtier. Et je vous dis à très bientôt. J'ai promis de faire quelque chose à Jordan. Je lui ai promis. Jordan m'a fait un cadeau aujourd'hui. Et ce sera ma façon à moi de vous dire de prendre soin de vous. Il m'a offert un magnifique masque Digit Photo que je vais arborer fièrement avant de vous quitter. Je vous dis une très bonne fin de soirée. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau live. Au revoir.